L'effet de levier immobilier, c'est simplement que chaque franc que tu investis dans un bien immobilier, tu peux acheter 4 francs immobiliers, 4 francs de valeur immobilière. Donc, ça veut dire qu'un appartement à 400 000 francs, tu vas mettre 100 000 francs de fonds propres. Donc là, on parle d'un bien immobilier de rendement. Hein. Pour un bien immobilier de rendement, c'est 25% de fonds propres. Ça veut dire chaque franc, tu achètes 4 francs. Et c'est extrêmement avantageux. Et puis, vu que le prêt hypothécaire, c'est le crédit le plus sûr qu'une banque peut faire, hein, parce que la garantie, c'est un bien immobilier, donc c'est pas l'exploitation d'une société, ou bien un crédit à la consommation qui est du coup la garantie qui est vous-même. Là, il y a une garantie physique qui est l'immobilier, et donc pour la banque, c'est vachement safe. Donc elle prend ses précautions, notamment la partie fonds propres, mais elle est complètement tranquille, quoi. Au pire des cas, elle va récupérer un bien immobilier si toi, tu payes pas. C'est ça l'effet de levier de l'immobilier.